Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Stardew Valley. Donc dans cet épisode, j'aimerais descendre au niveau 40 dans la mine et on va essayer de trouver également le panier de Lewis, histoire de lui ramener son petit panier pour qu'il puisse continuer sa petite récolte de mûres. Ah, on a un message, donc ça va être remis à plus tard. Hello, dans une semaine, nous accueillerons la foire annuelle de Stardew Valley au centre-ville. C'est le plus gros événement de l'année, attirant des gens de tout le pays. Si tu veux, tu peux monter un stand pour exposer tes récoltes et tes trouvailles. Amène jusqu'à 9 objets qui représenteront le mieux tes talents. On te jugera sur la qualité et la diversité de ta sélection. La foire commence à 9h, ne la manque pas. Ah! Donc il va falloir qu'on garde certains trucs. Le maire Lewis. Ah bah les amis, il va falloir qu'on garde des choses pour les montrer. Bon, bah écoutez, j'ai récupéré un petit peu de maïs. On en a un deuxième étoilé. Lui, bah du coup, je vais essayer de garder quelques trucs pour pouvoir exposer, du coup. On va moins vendre de trucs. Les petites poulettes, du coup. Oh, tous les jours, je vais avoir des cocos. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop, trop bien. Hop, allez, une petite gratouille à l'autre. Au revoir, les poulettes. Bonne journée. Oh, c'est trop cool. Oh, je kiffe. Alors, il faut que j'arrose tout ça encore, bien évidemment. Mais d'abord, on va aller un peu explorer pour trouver le panier de Lewis. J'ai envie de trouver son petit panier. Hop. Bon, ça, on les gardera surtout pour la mine, du coup. Parce que je voudrais vraiment aller dans la mine. Et oui, donc j'avais vu qu'il y avait un chemin là-bas que j'ai jamais emprunté. Donc, on va essayer d'y aller. Et on va vraiment essayer de trouver le panier de Monsieur Lewis. Monsieur Lewis, Linus, pardon. Mon cerveau ne tourne plus rond. Ah! On peut pas passer. Il y a un panier là. Ça doit être ça. Oh, des noisettes, des champignons, des prunes. Jackpot, les amis. Jackpot. Encore une noisette! Ah non, mais c'est la folie ici. Ah, le camp de Lewis. Allez, s'il vous plaît, j'ai vu qu'il y avait le panier de Lewis. Maintenant, il faut que je trouve comment je peux y accéder. Le champignon, pour le moment, je vous avoue que je vais pas le vendre. Je vais bien le garder, lui. La noisette, tout ça, je pourrais le vendre. Allez, c'est parti. Alors, comment je vais faire pour... Ah, encore un champignon. Ah, bah, ça doit être le même à part que... Ouais, alors, à part que celui-là n'est pas étoilé. Donc, peut-être pour la quête des jumelles, ça va me servir. Hop, allez. Alors moi j'en ai déjà mis un comme ça, je me souviens plus. Ça c'est le problème avec moi, c'est que j'ai une mémoire de poisson rouge. Ah, une mûre. Oh bah décidément, folie folie aujourd'hui. Hein. Non, on veut pas manger. Vous allez finir par me prendre pour une dingue. Hop. Donc ici, on a plus que deux qu'on n'a pas fait en entier. Hein. Et non, il ne faut pas de champignons comme ça ici. Ok, donc de l'autre côté. Là, c'est les trucs étoilés. Là, c'est les trucs que je pouvais avoir à une autre saison et que j'avais pas fait attention. Orange, pêche, abricot. Et non, il ne faut pas de champignons comme ça. Mais je crois qu'il nous en faut pour faire notre... Alors attendez, artisanat. Ah non, il faut pas être comme ça. Bon, bon, écoutez, bon, on pourra les vendre. Hop, c'est parti. Allez, on va essayer de trouver le panier de Lewis. On a vu où il était, donc il faut juste qu'on trouve un moyen d'y accéder. Alors. Alors, bah, c'est pas mal de trucs, l'air de rien, juste en se promenant. C'est cool. Moi, je suis contente. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Je suis jamais allée me promener. Je vais vers le bus, mais j'ai jamais été par là. Yes! On va pouvoir ramener le panier à Lewis. Oh, à Lewis, à Linus, pardon.
C'est parti, on va aller voir les Dus. Et après, on retournera à la ferme, on arrosera tout ça, on mettra dans le coffre avant tout, tout le micmac. Attendez, qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, on peut pas y aller par là. Ok, donc c'est parti. On va voir Linus et après on retourne à Jbarai. Quoique, je peux aller voir Linus quand j'irai à la mine. Réflexion. Ouais. Puisqu'on va aller à la mine au prochain jour, puisque là, bah, c'est pas la peine, quoi. Il est déjà 11h, c'est mort, quoi. Alors, on va mettre à vendre tout ce que l'on peut vendre. Hop. Donc, du coup, je vais mettre à vendre ça, 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 ça. Ah, peut-être que ça, je vais les garder peut-être pour quand je vais devoir mettre... Ah, d'accord, enfin, vous voyez. Et je joue au jeu depuis un moment, mais je viens de comprendre quelque chose que j'avais pas compris avant. Bon, tout va bien dans le meilleur des mondes, je vous jure. Dans mon cerveau, tout va bien, je vous promets. Donc, la grenade... Comme on n'aura pas besoin pour l'autre truc, eh ben, je vais la mettre à vendre parce que elle est quand même étoilée, donc elle va nous rapporter plus d'argent. Donc moi, je dis pas non. Donc je vais faire une petite ellipse, le temps d'arroser tout ça, les copains. Donc j'ai tout arrosé, j'ai dû utiliser une omelette du coup pour pouvoir y arriver. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Donc là, qu'est-ce que l'on va faire? Parce qu'il est 17h50. Bah, on a des géodes, donc vous savez quoi? Ah non, il est 18h, il ferme à 16h. Eh si, on a un minerai de fer, j'étais pas taré. Ah, vous savez quoi? Ah, requiert 5 minerais. Ah oui, 5 minerais pour faire un lingot, donc... Ah ouais, on a le time. On a le time, on a le time. Ce que l'on va faire, c'est que je vais enlever tout ça. J'en aurai pas besoin parce que le prochain jour, dès le début, on part direct à la mine. Donc ça, pour la bouffe, ça va être utile. Ah, je vous avoue, je suis un peu perplexe sur tout ça. Je me demande un truc, attendez. C'est un frigo? Si je mets ça là-dedans, est-ce que ça me donne... Non, ça me donne pas des recettes en plus. Ah, c'est dommage. Et on va avoir beaucoup de recettes à débloquer. Hein. Ça serait cool que ça avance. Je vais les mettre dedans. On verra bien si ça m'aide à quelque chose. Du coup, ouais, tout ça, on pourra le mettre en exposition. Déjà, les 5 trucs là. Ensuite, là, il me reste un tout petit peu d'énergie. À la rigueur, je peux essayer d'avoir de quoi refaire des casse-croûtes. À la rigueur, on peut tenter. Hop, allez, viens là. Donc, il faudrait que j'ai... un petit peu de bol, par contre, du coup. Allez, Coco, donne-moi une pomme de pain. Nada. Allez, un autre. Parce que je vous avoue, je sais pas, j'ai peur que dans la mine, ce soit pas suffisant. Ah, 2 pommes de pain d'un coup, c'est plutôt cool. Maintenant, il me manque encore un truc d'un chêne. Ah, je crois que j'en ai... Ouais, c'est ça qui me manquait, je crois. Alors, attendez. Est-ce qu'on va pouvoir se refaire un casse-croûte? Oui, je sais, je suis fatiguée. Yes! Alors. Tac. Tac, comme ça on a ça. Et on sent plutôt bien. Donc hop, on va faire dodo. De toute façon, mon but c'est d'arriver au niveau 40 pour pouvoir faire la quête. Voilà. Comme ça on va pouvoir avancer un peu dans cet épisode et ça pourrait être bien. Alors, combien ça va nous a rapporté? Ouais, 500 gold. Écoutez, pour des petits trucs qu'on a ramassés, pas de récolte. Bah, je trouve que c'est plutôt cool, moi, tout ça. Alors. 10e jour de l'automne. À la faveur de l'automne. Ça me fait penser à ça, à la faveur de l'automne, la chanson avec Tété et je sais plus comment s'appelait la nana. J'aimais bien cette chanson. C'était sympa. On peut pas encore récolter tout ça.
Ah, on peut ramasser le blé. Bon, ouais, si on va le ramasser avant de partir. Allez. On va pas faire les feignants. Donc, il va falloir que je rachète du blé à monsieur. À monsieur Pierrot, mais là on est mercredi donc là c'est fermé donc ça sert à rien de s'enquiquiner. Mais il va falloir. Peut-être garder ça aussi pour montrer un peu ce qu'on peut avoir à notre ferme. Les trucs étoilés, ça pourrait être bien. Hop. Et voilà, donc c'est parti. On a 1000 de gold. Écoutez, bon, c'est déjà bien. Alors, c'est parti. On va aller voir monsieur Linus pour lui donner son panier. Et ensuite, on va aller à la mine et on va essayer de descendre en dessous du niveau 40. On va voir comment on peut s'en sortir, mais ça pourrait être cool pour cet épisode. Hop. Comme ça, on aura avancé au niveau des objectifs que l'on a, les objectifs secondaires. Alors, qu'est-ce qui se passe, là? Là, il m'a mis 30. Bon, on va tenter, les amis, mais je promets rien. Je sais pas trop si dans les niveaux où on va aller, si on va avoir du cuivre, donc c'est un peu compliqué. Alors, on va aller voir Linus. Allez, 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 allez. C'est moi ou c'est pas la même chanson que d'habitude? Est-ce que le changement de saison a fait que c'est notre musique? Yes, il est là. Mon panier, merci, ça compte beaucoup pour moi. Bah de rien, Linus. Au revoir. Bon, je m'attendais pas à avoir quelque chose, mais genre une petite mûre, un petit truc, vous voyez. Parce qu'on sait que Linus, c'est quelqu'un qui a pas d'argent. Alors, on s'est arrêté où, d'ailleurs? Ah, elle est au niveau 35. Bon, écoutez, on va descendre de 5 niveaux. Et ensuite, bah, on verra... si on peut aller ramasser le cuivre pour Monsieur Clint. Hein. Moi, je suis ouverte, hein. Ok, il fait super sombre. Ça va être la folie furieuse là-dedans. Ah, j'aime pas quand il fait sombre. Je vous le dis tout le temps, je crois. Alors. Allez, s'il vous plaît. La sortie! Je veux sortir! En mode psychopathe. Bon. Alors. C'est bizarre, il n'y a pas de monstre pour l'instant. C'est le calme avant la tempête, ça se passe comment? Yes! Allez, c'est parti! Niveau suivant. Et il faudrait qu'on améliore un peu notre maison aussi. Vous savez qu'on rajoute un peu des chemins entre nos champs et tout. Parce que c'est vrai que le côté esthétique du jeu, bah, on l'a pas du tout. Mais il y a du cuivre, je le ramasse. Hein. Les chauves-souris ! Yes ! Eh bien, petite copine ! Viens, viens, Batman ! J'ai besoin encore des ailes. Il m'en manque encore une, je crois. Pour bien faire. Alors le quartz, je vais le ramasser parce qu'il va falloir du quartz raffiné. Donc je me dis peut-être qu'on aura une machine, un truc à créer. Alors c'est parti, on est au niveau 36. Ah, encore une Batman? Non? Ah si. Eh viens, petite saleté. Voilà, on a toutes les ailes pour la quête des Juminos. C'est plutôt cool. Alors c'est parti. Du cuivre. Eh bah écoutez. Ah. Bon, attendez, avant, je vais regarder s'il n'y a pas du cuivre qui traîne. Ouh, pas mal de cuivre. Oh, je suis ravie. Par contre, ce truc, c'est qu'il ferme à 16h, lui. Donc, j'espère qu'il va... Ah, ça m'embête. Hein. Après, il est au saloon. Donc, est-ce qu'on peut lui amener quand il est au saloon le soir, vous voyez? Ah, il y a un petit truc de terre là, je sais pas comment, je sais plus comment ça s'appelle. Un cristal de terre.
prends du bois, ouais, le truc que je trouve ridicule dans la mine, mais c'est pas grave. Alors c'est parti, donc on en a 28, il nous en faut 30 pour en donner 30 à Monsieur Clint. Hop, on va descendre, ce qu'on avait vu, la descente. On est au niveau 37, donc je suis plutôt ravie, on va arriver au niveau 40. Au moins on va avancer au niveau des quêtes, et ça c'est plutôt bien. Hop. D'accord. Si, il m'attaque. Mais saleté, là ! Merde ! Pardon, les amis. Je suis très méchante. Mais il a de la vie, ce truc ! D'accord, il y en a encore un qui vient d'être d'arriver. Ouais, les mecs, on va se calmer. On va se calmer, j'ai pas besoin de vous. Je veux pas de bisous de votre part. Je ne veux rien, je ne veux pas de cadeaux. Je veux juste que vous me fichiez la paix. Allez. Oula, c'est quoi ce délire? C'est quoi ça, les amis? Ce changement dans la grotte. Et on va se faire attaquer par des Batman. Non mais, hey, c'est bon là. Oh, c'est quoi cette grotte? Ouais. ?38 les amis. Hein. Alors, est-ce que Batman va encore venir m'enquiquiner ou... Ouais, Batman va venir m'emmerder. Ah mais... Mais c'est pas vrai. Ah, j'espère que ça compte pour la quête des aventuriers, là, parce que... Ah ouais, d'accord, donc il fallait tuer un certain nombre de mobs pour... ok. Donc là, je vais aller tuer l'insecte. Parce que je vais récupérer le cuivre, comme ça, on aura les 30. Il est 15h. Faut pas qu'on oublie qu'on doit aussi arroser à la maison en rentrant. Et ça, j'y tiens, pour qu'on ait bien nos plantations qui arrivent. Au prochain épisode, on remettra du blé, du coup. Ok, donc on a tué lui. On ramasse le cuivre qui traîne là. Je descends au niveau 39. Et on va essayer de trouver niveau 40. Alors, c'est parti. Oh, bah, il y avait du cuivre ici. Bon, dans le doute, j'ai préféré... Alors, est-ce qu'on peut passer ici? Yes. Alors, 39 les amis. Ah, on a l'entrée. Enfin, la sortie du moins, pardon. Ouais. On se barre. On se barre. Lance-pierre. Vous avez obtenu une lance-pierre. Un lance-pierre, les amis. On va essayer de le tenter. Oui. On va en reprendre un. Je vais juste descendre au niveau d'en dessous pour... atteindre le dernier niveau de la mine. Et il y a combien de niveaux dans la mine? Ah, il y a de nouveaux trucs. Oh, ça nous a rien donné. Ça nous donne rien les cristaux là. Mais c'est nul. Ça fait bizarre de voir un nouvel environnement. Est-ce qu'il nous faut un autre matériel pour Ah bah d'accord. Ah, on peut pas se diriger. Mais comment ils veulent qu'on utilise le lance-pierre alors qu'on peut pas se diriger? Je viens de perdre des PV de façon idiote juste pour utiliser un truc à la schtroumpf, quoi. Je suis dégoûtée. Oh, mais c'est pas vrai, mais c'est l'hécatombe. Crevez, bordel. Allez, mourrez, bordel. Oh là là, l'énergie qu'on est en train de perdre, je crois que je vais pas pouvoir arroser à la maison, c'est pas possible. C'est du fer, ça, là? Mais c'est quoi ces bestioles? C'est des slimes différents, ou...
Ouais, ça c'est du fer. Nickel, comme ça on va avoir notre premier lingot de fer. Alors, on sort de là. On va se bouffer... Non! Sortir de la mine, merci. Alors, c'est parti. Donc, on va aller voir Lewis... Clint, au niveau du... Ah, on va parler vite fait Dimitrius. Tu fais sûrement pousser tout un tas de plantes très intéressantes dans ta ferme, non? Oui. Peut-être que je passerai voir ça un de ces jours. Ok, bah bye bye, à plus tard. Donc, on va aller au saloon en passant avant de rentrer à la maison, histoire de donner le cuivre à monsieur Clint. Et ensuite, on ira arroser chez nous. Et je suis contente, on a plutôt bien avancé dans l'épisode, je trouve. Donc, c'était un bon épisode, je pense. Alors, tac, 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 le saloon, s'il vous plaît. Hop. Il est 19h30, on n'aura pas le temps de tout arroser à la maison. Ce n'est pas possible. Alors, hop. Mais, d'habitude, Clint, il est là le soir. Oh, mais s'il vous plaît, je voulais voir Clint. Ah bah, le voilà. Tu as apporté les minerais que j'ai demandé, très bien. J'aime bien examiner les minerais de la région de temps en temps pour garder un œil sur la qualité et leur abondance. Laisse-moi voir cela. Je vois, tu peux les garder, ils sont d'excellente qualité. Et voici ton paiement comme promis. Merci Clint. Bye bye. Allez, c'est parti, on rentre à la maison. On rentre à la baraque. On va l'arroser tout ça. Hop, allez. En fait, il voulait juste les voir et il me les a même pas pris. Donc vous voyez, c'est, je trouve ça un peu ridicule. Donc soit on le range parce que clairement, c'est de la merdouille. Hein, voilà, on va dire comme ça. Hein. Parce que clairement, c'est ce que je ressens présentement quand je vois ce lance-pierre. Tac. Alors, on met ça avant. Donc c'est parti, je vous fais une petite ellipse, le temps d'arroser tout ça. Les amis, on se retrouve. Donc j'ai pas eu le temps d'arroser de ce côté-là parce que clairement, il est déjà 10h30. J'ai un avertissement comme quoi mon personnage était fatigué, donc on est obligé de rentrer et d'aller dormir. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, y aura une partie qui n'aura pas été arrosée, mais j'ai quand même arrosé la majorité. Donc, 8000 de gold. Bon, bah écoutez, voilà. La prochaine fois, on va aller acheter du blé. Mais on va s'arrêter là, tout simplement. Donc je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à commenter pour donner votre avis. On se retrouve la semaine prochaine pour le suivant. Portez-vous bien les amis, des bisous. Bye bye tout le monde.